dancing, testing out Jira, Eliam. Yeet. Avec la nouvelle 1200. Là, on va comparer ça avec le Kujira 1210 avec le même stabilisateur, donc le 178, même planche, même wing. On est parti! On sort de l'eau avec le 1210. On a vraiment un verdict. Magnifique session. Gros soleil, peut-être 17 degrés. On va aller vous montrer le spot, la température. C'est vraiment magnifique. On a l'occasion aujourd'hui de tester la nouvelle Takuma Eliam 1200, okay, qui vient compléter les front wings dans la collection Eliam. Donc on a le 1200, le 1500, le 1750. Donc le verdict pour cette collection-là, Eliam, là, c'est que c'est des ailes extrêmement excellentes pour les gens qui vont débuter. C'est des ailes qui sont épaisses. La 1200, la raison pour laquelle on l'aime, c'est que ça vient ajouter une option pour les poids légers. Donc la 1200 va être excellente pour les gens qui vont débuter les poids légers. La 1500, pour quelqu'un de mon poids, moi je suis à peu près 150 livres, va être excellente pour débuter. Et la 1750 pour les poids plus lourds, là, ça va être l'aile de prédilection. Donc c'est un aile qui va décoller assez rapidement, okay, lors du pumping, même qu'on n'a presque pas besoin de pomper étant donné que l'aile est épaisse. Elle tourne relativement bien, c'est un mid. High aspect, donc l'aile n'est pas trop large, elle va bien tourner. Donc aujourd'hui, je l'ai testé et je l'ai comparé à une aile populaire qu'on a ici, le Kujira 1210. Donc deux ailes avec une surface très, très, très semblable. Par contre, deux sensations différentes. Le 1210, définitivement, une aile plus de performance, okay, va être plus rapide, va avoir plus de gliding et aussi pour le pumping, définitivement, le 1210. Va pomper mieux que le 1200. Et le 1200, lui, par contre, ici, l'Eliam 1200, va décoller plus rapidement au début lorsqu'on pompe. Ou on n'a presque pas besoin de pomper finalement parce que là, elle est plus épaisse. Celle-là, ici, définitivement, on sent qu'il faut travailler un petit peu plus. Par contre, lorsqu'on va atteindre une vitesse ou qu'on va être sur le swell, va glider définitivement mieux. J'ai senti que le 1200, lui, par contre, voulait peut-être tourner un petit peu plus. On a deux sensations différentes sur le pied. Définitivement, le 1200 est un petit peu plus joueur parce qu'il est moins, plus étroit. Par contre, il va être plus rapide, donc ça rend la chose accessible. Et on a eu l'occasion aujourd'hui de tester ça avec le nouveau mode carbone de Takuma. Donc vraiment une nette amélioration là, pour le mode carbone. Donc on va vous présenter ça là, dans une autre vidéo. Donc si jamais vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez subscribe et tout le tour, vous met les liens. Cheers!